Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing. Voilà, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui de la boutique Gutfeld. Voilà, voilà Fifi qui vient dire bonjour. Elle m'a entendu faire une vidéo, donc elle vient dire bonjour. Donc oui, je vous disais, j'ai reçu donc aujourd'hui en partenariat un colis donc de la boutique Gutfeld. Donc je vais vous montrer ce que il m'avait demandé de choisir ce qui me plaisait. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc j'ai choisi 4 articles. Voilà. Pas Fifi. Hein. Et ça y est, elle est accrochée à moi. Ah. Donc je vais vous montrer ça. Ah, si elle veut me laisser. Non. Alors, d'abord en premier. J'ai été livrée. C'est colis privé qui a livré. Donc là, j'ai un petit point négatif qui n'a rien à voir avec la boutique. De leur côté, tout va bien. Mais c'est colis privé qui, eux, quand ils ont des colis, ben, ils ne viennent pas chez les gens. Voilà. J'ai reçu le message cet après-midi sur mon téléphone, comme quoi j'avais un colis donc dans mon relais colis. Voilà. Là où je reçois aussi les mondial relais, les choses comme ça. Donc c'est dans le village à côté. Je me suis posé... Bon, Fifi, descends. Je me suis demandé pourquoi. Parce que ben, je n'avais pas bougé de chez moi, ni aujourd'hui, ni hier. Et ils ne sont même pas venus. Voilà. Alors, le monsieur, là, c'est un café, mon relais. Il m'a expliqué que colis privé, eux, ne s'embêtent pas. Quand ils voient qu'ils ont que 2, 3 ou 4 colis pour le village, ils n'y vont pas. Ils vont directement au relais. Et puis, ils déposent tout au relais. Voilà. Et puis, les personnes, débrouillez-vous pour aller chercher vos colis vous-même. Voilà. Donc, on paye, bon là c'est un partenariat, c'est pas pareil, mais bon ça aurait été une commande que j'aurais payée, c'était pareil, j'aurais payé pour être livrée chez moi, non, le mec il vient pas à domicile, il dépose tout au relais, voilà, il s'embête pas. Enfin, fermons les guillemets, c'était juste le petit point négatif. Et en plus, j'y suis allée, de toute façon, ça se voit ma tête, j'ai pris la sauce, en même temps, j'avais le kiné juste après. J'ai pris la sauce parce qu'il s'est mis à pleuvoir très très fort, youpi. Et bon, je suis allée en voiture, hein, bien sûr, mais bon, il a fallu sortir de la voiture. Donc voilà, bon, je referme les parenthèses de colis privé. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi chez Gutfeld. Voilà. Donc, comme je vous disais, il m'avait proposé donc, de choisir 4 articles à mon choix, hein, ce que je voulais. Donc, j'ai pris en premier. Alors, j'ai juste. Voyez, bon, c'était bien emballé. Hein. Donc j'ai enlevé le plastique, tout était emballé dans un grand plastique, mais j'ai déjà tout déballé pour ne pas faire trop de bruit. Okay. Ah, un petit point de colle, c'est rien. J'enlèverai après. Je regarderai après. Il y a un petit point de colle. Fifi, je croyais que Fifi est couchée sur mes ciseaux. Voilà. Donc, je me suis pris une petite valisette comme ça. Donc, il y a plusieurs modèles. Hein. Bon,
là, faites pas attention, c'est un petit point de colle que je vais retirer après, sans l'abîmer. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai préféré choisir celui-là. Il y a un modèle, c'est celui avec des yeux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y en a avec des yeux. Je vais baisser un peu le téléphone. Hop. Voilà. Et celui avec les yeux a des flacons dans le couvercle, dans le au-dessus. Et moi, non, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai préféré choisir celui-ci. Donc, voilà, c'est un rangement pour les perles avec tous les petits flacons. J'ai même un petit miroir, si je veux. J'ai un petit miroir. Il y a un petit élastique, là, pour ranger les petites choses. Voilà. Là, j'ai les petits autocollants ronds pour mettre sur les flacons. Alors moi, la valisette contient soit, je regarde sur l'ordinateur parce que moi j'ai pas tout en tête, hein. 72 bouteilles, voilà. Donc je vous montre. Donc voilà un premier et les petites bouteilles, les petits flacons, les voici. Voilà. Donc, ils sont tous nickel, hein, y a pas, ils ne sont pas abîmés. Là, un deuxième. Voilà, donc pareil, hein, ils ne sont pas abîmés non plus. Et le dernier. Voilà. Donc, c'est des petits. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 8, 16, 24. Il y en a 24 par étage. Voilà. Et donc, l'intérieur de la valisette, voilà, tout en tissu rose. Ça sent un peu le cuir. Bon, je pense, je sais pas si c'est pas du vrai cuir, mais ça. Ça sent un petit peu. J'aime bien. Ça sent pas le plastique en tout cas. Donc voilà. Mon premier choix. Donc je suis contente. Parce que ben j'en voulais une depuis un moment. Et au moins, bah, comme ça, je peux mettre toutes mes perles dedans. Même si je fais un grand tableau, au moins, j'ai ce qu'il me faut. J'ai ce qu'il me faut pour faire mes rangements de perles. Je vais réussir à le dire, voilà. Et au moins, j'ai tout sous la main. Ça ne va pas se perdre. Voilà. Donc, je ne vais plus qu'à mettre les petites étiquettes. Donc, moi, vous savez que je numérote du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, moi, je vais numéroter tous mes petits flacons du 1 au 72. Voilà. Donc là, par contre, j'en ai combien? 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. 20, 24. 24 et 24. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 72. J'en ai 72. Voilà. Donc, tout juste assez. Donc, elle se ferme avec la petite fermeture éclair. Voilà, et elle a son petit nœud ici. Donc j'ai choisi noir. Alors vous l'avez en plusieurs couleurs. Vous l'avez en noir, en rose fuchsia, en rose plus clair, en bleu, en rouge et en violet parme. Voilà.
Donc, je rappelle, donc c'est 60, il y a 72 bouteilles dedans. De toute façon, je vais vous mettre le lien de chaque article en barre d'infos pour vous le retrouver si ça vous intéresse. Voilà. En dessous, pareil. Je suis contente. Voilà. Ensuite, j'ai repris un autre rangement pour les perles. Voilà. Celui-là, vous êtes beaucoup à le connaître, hein, la petite valisette. Celui-là ne va pas être pour moi. Ça va être pour mon mari. Mon petit chouchou. Alors, les petites étiquettes pour mettre sur les flacons. Et donc, c'est la valisette avec les 60 petits flacons. Donc, je vous montre, pareil, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc là, on peut déjà mettre pas mal de perles hein, dedans. Voilà. Donc, ils peuvent se soulever, voyez. Donc voilà. Donc, il n'y a aucun flacon d'abîmé. Je vous montre l'intérieur de la valisette sans les perles. Voilà, et ici on a une petite pochette en résille, vous pourrez mettre vos petits plateaux, vos stylos, enfin vos stylets, tout ce que vous avez besoin, voilà, pour avoir tout sous la main. Alors, par contre, là, j'ai pas l'impression d'en avoir 60, 1, 2, 3, 4. 8, 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. J'ai le compte. Donc voilà. Donc pareil, elle se ferme avec une fermeture éclair. Voilà. Et sa petite poignée qui va bien pour l'emmener. Donc pour ceux qui partent avec leur diamond painting en vacances ou n'importe. Voilà. Hop, on va la mettre là. Et ensuite, j'ai pris deux kits. Alors, le premier, j'ai rien, c'est fini. Le premier, alors je vais vous mettre les photos hein, juste après. Vous verrez mieux parce que vous allez voir, ils sont big, très grands. Le premier que je vous montre, alors il mesure 1 mètre. Fifi, t'as fini? Allez. Il fait 1 mètre sur 50 cm. Celui-ci. Mais ça, je ne trompe pas, non. Alors, il a tout petit peu chiffonné, mais bon, c'est pas grave. Comme c'était dans... Là, ils ne sont pas mis en boîte de carton. Donc, je pense qu'avec le transport, ça a été un peu ballotté quand même. Donc, alors, vous voyez déjà... alors, est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Non. Voilà. Et oui, c'est Disney. Vous allez me dire, Edith va faire du Disney. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, je ne vais pas faire du Disney. Alors, ça, c'est les perles. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Parce que là, du coup, j'ai plus le retour de ce que je vous montre.
C'est des perles rondes. Voilà. Comme ceci. Donc en chapelet. Puis firet. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, je vais essayer de ne pas tout sortir. Voilà. Et des perles rondes comme ceci. Il y a combien de couleurs? Il y a 25 couleurs. Voilà. Donc il y a 25 couleurs. Bon, il y a vraiment un peu. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du bleu ciel. Il y a du blanc, je vais regarder s'il y a du noir. Alors, est-ce qu'il y a du noir? Je pense que oui. Peut-être pas. Hein? Je ne vois pas de noir. Serait-ce un kit sans noir? Ce serait bien. Enfin, c'est... Celui-là, c'est pas moi qui vais le faire, mais... Ah ben, je ne vois pas le noir. Ah, c'est du gris foncé. Voilà, c'est un gris foncé. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du noir. Voilà, voilà je vois, c'est ça. Voilà. Je... Dans tous les sachets, là, non. Je ne vois pas de noir. Bon. Hop. Voilà, on va bien remettre. Pour bien le replier après. Donc voilà, toutes les couleurs. Et... Donc il y en a pas mal. De toute façon, vu la grandeur du kit, hein. Donc, alors, pourquoi j'ai choisi du Disney? Ben, parce que mon mari avait envie de faire un Disney. Voilà. Il avait envie de faire un Disney, donc... on verra ce que ça va donner. Alors là, sur le Disney, il y a Mickey, bien sûr... Il y a Donald, il y a Pluto, il y a la petite sirène, il y a Bambi, Winnie l'ourson. Après, il y a des princesses. Là, bon, je ne les reconnais pas toutes, mais bon. Donc voilà. Il y a l'éléphant, là, avec ses grandes oreilles qui volent. Dumbo. Oui, Dumbo. Donc voilà, bon, on verra à l'usage ce que ça donnera. De toute façon, je vous en reparlerai au moment où il fera. Et je le filmerai comme d'habitude. Voilà. Donc, je vais vous mettre la photo. Voilà. Donc, celui-là est très grand. Hein. Alors, attends, je vais juste le replier un tout petit peu pour que j'ai de la place sur la table. Donc il n'y a pas de rivière, hein, c'est juste un peu chiffonné. C'est pas bien grave. Je vais le mettre à plat en dessous des livres ou avec le fer à repasser comme moi j'ai l'habitude. Et le deuxième kit. Alors, il est grand aussi. Alors, celui-là est un tout petit peu plus grand. Il fait 1 mètre sur 55. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer aussi. Oui, j'ai oublié de vous montrer. Dans l'autre, bien sûr, il y a le petit plateau avec les petites glues pour coller les perles et le petit stylet.
rose comme d'habitude. J'ai oublié de vous montrer, je suis désolée, le voilà, celui pour les Mickey, enfin pour le Disney. Et voilà, donc le deuxième. Donc c'est le plastique hein, qui fait paraître chiffonné. Sinon la toile est nickel, hein. Il n'y a rien. Un petit peu au bord, mais c'est pareil. C'est le transport qui a un petit peu abîmé. Enfin, c'est pas abîmé, c'est un petit peu chiffonné. C'est pas très très grave. Ça, je vous dis, moi, avec ma méthode de fer à repasser, du fer à repasser, en 5 minutes, ce sera remis. Voilà. Donc, voilà, un paysage. J'essaye de vous montrer, mais bon, j'ai pas les bras très très grands. Alors pareil, c'est des perles rondes. Alors je vois que j'ai des paquets qui sont très très gros. Et je vois que j'ai du noir. Moi j'ai du noir. Alors, je vous montre ça. J'arrive à ouvrir. Désolée pour le bruit. Hein. Vous voyez, donc, perle ronde. Vous voyez, j'ai quand même des grands sachets. Donc, j'ai pas mal de couleurs. Voilà. Là, c'est un... Non, c'est pas un noir, c'est un... On dirait noir, ça, mais non. Mais bon, j'ai quand même des couleurs foncées par moment. Et le noir... Ah oui, il y a du noir. Voilà. Les deux gros sachets de noir. Mais bon. Et après, bon, j'ai du rouge, j'ai du rose, du bleu. J'ai deux sortes de rouge, j'ai du orange, du kaki, du marron, du gris. Ouais. Alors, j'essaye de remettre ça comme il faut pour vous montrer. J'ai quand même des gros paquets, hein, vous voyez là. C'est quand même des gros paquets. Je ne sais pas s'il y a le grammage dessus pour que je vous dise. Non. Non, mais j'ai quand même... j'ai jamais eu de si gros paquets dans les chapelets. Alors ici, j'ai 33 couleurs pour celui-là. Voilà. Bon, j'arrive pas bien à le remettre, ça fait rien. Pardon, je ferai après. Ouais, donc j'ai quand même des gros sachets. Bon, il y a des petits quand même, mais j'ai quand même une bonne partie de gros sachets. Mais bon, ça va. Et là, c'est les perles rondes. Alors, je commence à aimer beaucoup les perles rondes, maintenant. Je crois que je vais prendre encore plaisir à faire celui-là. C'est vrai que les perles carrées, je commence à être... En ce moment, les perles carrées, c'est plus mon truc, pour l'instant. Mais bon. Ça me... Hop, voilà. J'essaye de replier pour... Donc, comme ici, comme l'autre, bon, je vous dis, c'est pas abîmé ni rien, c'est juste un tout petit peu chiffonné. Et je pense que c'est le voyage qui a fait ça. Comme là, c'est mis en sachet au lieu d'être mis en carton. Donc, c'est pas bien grave du tout. Moi, le principal, c'est que la toile n'est pas abîmée. Là, je vais juste donner un tout petit coup de fer. Et puis, on n'y verra plus rien. Voilà.
Alors donc c'était les quatre articles que j'avais achetés, que j'avais choisis. Donc chez Godfell, ben, vous pouvez donc trouver ben, des kits, pas mal d'accessoires, hein, il y a de toutes sortes. Vous avez aussi des lampes, vous avez des boîtes, vous avez des. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez décorer avec le diamond painting. Voilà. Alors j'ai essayé d'aller sur le site pour voir si. Alors, attendez. Que je voulais vous dire un truc, mais il faut que je retourne sur le site. Hop, voilà. Alors, il est ouf. Ouais. Vous pouvez aussi trouver, oui, des cadres, quelques cadres. Il y a, bon, pareil. D'autres rangements pour les perles, hein, il y a de tout. Vous avez des boîtes pour les lunettes. Vous avez, alors je regarde, excusez-moi si je ne vous regarde pas là, mais je regarde mon écran pour pouvoir vous dire ce qu'il y a sur le site internet. Vous pouvez également trouver donc des marque-pages. Des cartes à décorer, comment on appelle ça, des porte-clés, bon, en plus des diamond painting, bien sûr, hein. Des décorations avec des lampes LED. Mais bon, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez trouver chez eux, hein, à des prix assez raisonnable, je trouve. Voilà. J'avais vu un truc. Ouais, il y a même des genres de sacs. Il y a des sacs à main aussi que l'on peut faire en diamond painting. Des petits sacs à dos. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, voilà. Bon, de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Hein. Vous allez pouvoir fouiller leur site. Découvrir tout ce qu'ils font. Et bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas mal du tout. Voilà. Donc, bah, moi, je suis contente. J'ai ma petite valisette. Voilà. Les kits. Et là, donc, la valisette. Donc, celle-là sera pour mon mari. Voilà. Comme ça. On est équipé. De toute façon, ça faisait un moment que l'on en voulait. Et ben, ça a été l'occasion. Et ça, du coup, c'est l'occasion de justement de voir, d'essayer. Donc, je vous dirai à la longue ce que je pense de la qualité. Puisque là, bon, pour l'instant, c'est tout neuf. Mais à l'usage, je vous dirai quand même si ça a bougé ou si ça n'a pas bougé. Bon, c'est ce petit truc de colle, cette petite crotte de colle là qui m'embête. Il faut que j'enlève. Bon, je vais l'enlever après. Voilà. Et puis, bon, ça fait vraiment une petite valisette de voyage. Hein, vous voyez? Ça prendra pas de place quand même. Voilà. Et puis maintenant, bon, comme je commençais à être. Réduit en rangement pour mes perles, mais là maintenant je suis tranquille. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc je vous mets en barre d'infos le lien du site internet et le lien de ces articles pour que vous puissiez les retrouver. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.